Partout en Europe, l'obtention du droit de vote pour la femme aura donc été le fruit d'un long combat. Voilà ce qui est venu nous rappeler à l'instant ce documentaire réalisé par Stéphanie Thomas et Jean-Frédéric Thibault. Les Françaises ont ainsi dû attendre avril 1944 sur une décision du général de Gaulle pour en disposer. Mais qu'ont-elles fait de ce droit de vote En prolongement de ce film, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre maintenant avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débatdoc, Janine Mossus-Lamo est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes politologue, directrice de recherche et mérite au CEVIPOF, On va rappeler hein, le CEVIPOF, Centre de recherche politique de Sciences Po, en 1993, vous avez notamment publié dans la revue française de sciences politiques "Le vote des femmes en France", 1945-1993, et votre dernier ouvrage s'intitule "Il faut de vous". Pour faire un monde, c'est un ouvrage qui est disponible aux éditions Complicité. Maria Tsino est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes également politologue et directrice de recherche honoraire au CNRS et centre de recherche politique de Sciences Po également. Votre domaine de recherche concerne le genre et la politique, le genre et la citoyenneté. Vous êtes notamment coautrice de Femmes et République disponible à la documentation française. Et puis enfin, Frédéric Dabi est également parmi nous. Bienvenue à vous, Frédéric Dabi. Vous êtes le directeur général opinion du groupe IFOF, spécialiste en sociologie politique. Qui en analyse des comportements électoraux et c'est vrai qu'en y regardant de plus près, l'Ifop a été l'institut qui s'est intéressé le plus tôt à, on va dire, des statistiques, des études de genre concernant le vote des citoyens. C'est une des spécificités de votre institut, l'Ifop. À quand remonte l'antériorité chez vous euh, concernant euh, cette analyse du vote des femmes Alors, il faut c'est vrai qu'on est le plus ancien institut de sondage français, hein, créé en ouais. 1938. Hein, premier sondage publié ouais. sur un sujet dramatique, hein, les accords de Munich. Et c'est vrai qu'avec Jean-Luc Parodi, on a introduit les sondages sortis des urnes, c'est-à-dire les sondages où on s'est intéressé le jour du vote. Aux comportements électoraux, essayer de comprendre la sociologie euh, du vote, qu'ont voté les femmes, oui. voté les hommes, qu'on voté oui. les jeunes, les plus âgés. Et donc, voir les trajectoires électorales. Oui. c'est vrai que pour la question euh, des femmes, oui, bah, dès les premiers sondages sortis des urnes dans les années euh, 80, oui. nous avons euh, oui. travaillé oui. sur l'éventuel différentiel femmes homme, les fameux ouais. gap gender, les ouais. différences en parler, entre les hein. femmes, ouais. j'imagine ouais. sur euh, les grands rendez-vous électoraux sachant que les sondages d'antitezion ont été introduits non pas pour une présidentielle mais pour un scrutin intermédiaire, les élections municipales de 1983. Euh, euh, vos clients vous demandent aujourd'hui des, des sondages genrés, justement Ceux qui se présentent, euh, alors on va parler de la présidentielle parce que là tout le monde comprend, euh, ceux qui sont sur la ligne de départ euh, à cette élection majeure en France, vous demandent euh, des sondages genrés aujourd'hui Alors ils ne nous, ne, ne nous demandent pas, mais on le fait systématiquement. L'IFOP, euh, depuis maintenant euh, une quinzaine d'années, réalise à chaque euh, scrutin présidentiel et à scrutin européen ce qu'on appelle un rolling, une enquête en compte. Continue, ce qui permet très vite d'avoir des très gros échantillons d'électeurs et ce qui permet d'aller finement sur la question du vote des jeunes, la question du vote des femmes. Et c'est dans ce cadre-là que, par exemple, on a euh, fait travailler sur, euh, je dirais, euh, l'alignement du vote des femmes sur, sur euh, celui des hommes, le fait que le vote d'extrême droite du Rassemblement national et du FN était un vote moins genré que par le passé. C'est quelque chose qu'on ne nous demande pas, c'est quasiment maintenant euh, automatique de voir ces comportements, même si je pense que Janis à vous va le dire mieux que moi, il y a une tendance forte à l'alignement euh, du vote des jeunes et des moins jeunes, des femmes et des hommes, même s'il y a quelques petites exceptions pour en venir. On va revenir justement aux travaux que vous avez effectués dans les années 90, euh, parce que euh, vous avez identifié euh, trois phases en réalité dans la construction du vote des femmes. Et nous sommes bien entendu après tout ce que nous avons vu dans ce documentaire. Et notre échange commence finalement quelque part à partir des premières élections municipales auxquelles ont participé les femmes. C'était en 1945. Vous avez identifié trois phases. Euh, tout d'abord, l'apprentissage jusqu'aux années 60. Euh, le décollage dans les années 70. Et troisième phase. L'autonomie dans le tournant, dites-vous, des années 80. Expliquez-nous. Alors, euh, le décollage, euh, c'est la période qui suit, euh, bien sûr, euh, l'obtention du droit de vote et qui dure euh, jusque dans les années 60. Pourquoi euh, Je veux dire, non, la première période, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, la première période. Euh, pourquoi Parce que, euh, au fond, les, les femmes n'ont jamais voté et euh, pendant cette période, euh, elles participent moins que les hommes elles votent moins à gauche. Et puis euh, vient euh, la période que j'appelais du décollage dans les années 70 où là elles se mettent à participer autant, elles se rendent aux urnes euh, autant qu'eux, mais euh, elles votent toujours euh, un peu plus à droite. Hein. Et euh, c'est seulement euh, en 86 que pour la première fois, non seulement bon, elles participent, mais elles votent à gauche autant qu'eux. Alors. On pourrait dire pourquoi euh, j'ai appelé ça euh, la période d'ozonobie. Après tout, on pourrait dire bah oui, maintenant les, les femmes, c'est des hommes comme les autres. Quoi. Ou, en tout cas, les électrices, c'est des électeurs comme les autres. Et euh, c'est parce qu'il y a quand même des spécificités, et notamment, et c'est très important pour les, les décennies qui suivent, un vote Le Pen moins euh, fréquent chez les femmes que chez les hommes. Il y a euh, un gros gap euh, là-dessus. Et puis, elles votent un peu plus écolo. Un peu plus socialiste, enfin là, les différences ne sont pas énormes, mais c'est surtout euh, la, le refus. Disons où la réticence face au vote d'extrême droite. Il fallait et, et, alors on s'arrête à, à l'autonomie dans le tournant des années 80. Est-ce qu'on en est passé à une nouvelle phase aujourd'hui Ben oui, d'une certaine façon, dans la mesure où, si vous voulez, la spécificité du vote féminin qui consistait en un moindre vote pour Jean-Marie Le Pen, et eh bien à partir du moment où c'est la, la fille qui prend le relais de son père eh bien, euh, les femmes se mettent à voter autant en faveur de, euh, du Rassemblement national, puisque tel est son nom maintenant, que les hommes. Et je dois dire que c'est le résultat d'une stratégie fructueuse de la part de Marine Le Pen, qui s'est posée en femme, en mère de trois enfants, en divorcée, en disant qu'elle luttait. Et donc, elle a, je dirais, un petit peu lancé un appel du pied en direction des femmes les moins favorisées. Ou employée, euh, fin, mère célibataire, etc. Et elle a réussi son opération de maquillage d'une certaine façon, alors même que son programme est emprunt de certaines régressions en ce qui concerne le droit des femmes. Et donc, euh, c'est vraiment là une, le résultat d'une évolution. Et le seul, euh, peut-être Frédéric en dira plus que moi, mais le seul différent, c'est effectivement en direction de Zemmour, où là, euh, euh, par rapport à un homme qui se présente volontiers avec des valeurs d'ordre viril et misogyne, eh bien là, il y a un gap de quelques 3-4 points en défaveur de Zemmour. J'en reviens sur cette évolution euh, évoquée à l'instant. Euh, dans un premier temps, les femmes euh, votent moins que les hommes et vote à droite. Dans un deuxième temps, les femmes votent autant que les hommes, mais toujours à droite. Et dans un troisième temps, les femmes votent autant que les hommes et plus à gauche. Oui, maintenant je serais. Vous même... êtes d'accord avec oui, ça Est-ce plus... que ah, vos propres chiffres, vos propres sondages oui. attestent de ça Oui, politique. les données IFAP corroborent ça. Maintenant, je trouve qu'on est sur un quatrième temps qui est un vote d'alignement. C'est ce que vous disiez très bien. Hein. Les électrices ouais. sont un peu des électeurs ouais. comme les autres, ou. On ne voit pas quand on regarde la présidentielle de 2012, de 2017, de 2022, sauf effectivement, vous l'avez bien dit, pour Aix-Zemmour, où son 7% le jour du 10 avril se, se, se ventile entre presque 10% chez les hommes, à peine 5% chez les femmes, alors c'est quand même deux fois plus, il n'y a quasiment plus de différence. Donc autrement dit, pour dire les choses simplement, les femmes votent comme les hommes il n'y a plus de différence, Alors, y a quand même euh, je me mettrai en matière quand même... de participation Alors, euh... je ferai deux exceptions. D'abord, euh, effectivement, vous avez rappelé ce congrès de Lyon en 2011, où Marine Le Pen, consciente euh, du, du Jean-Marie, hein, du vote euh, très masculin, le 21 avril 2002, et on, on le disait tout à l'heure, euh, Jean-Marie Le Pen arrive en tête chez les hommes. Il fait 21%, Jacques Chirac fait euh, 18%, Yann Jospin fait 15%. Euh, au second tour, il y a un survote des femmes contre euh, Jean-Marie Le Pen, il y a un écart de 15 points entre le vote des femmes et le, et le vote des hommes le 21 avril enfin pour le second tour euh, Chirac Jean-Marie Le Pen. Donc ça c'est maintenant euh, effacé. On le voyait encore un petit peu en 2012 où il y avait 4 points d'écart entre le vote Marine Le Pen chez les hommes et chez les femmes. Maintenant, il n'y a plus de différence sauf et c'était le cas en 2017 et en 2022 dans les second tours Macron-Le Pen, où il y a entre 4 et 6 points de femmes en moins pour Marine Le Pen. Mais au-delà de ça, et l'important c'est d'abord un premier tour qui conditionne le second tour, on ne voit quasiment plus de différence. Dernier point, sur la participation électorale, il y avait une vraie homogénéisation. Mais quand on regarde les scrutins intermédiaires récents, alors peut-être un peu spéciaux, sous période euh, Covid, sous période euh, euh, attentat, je passe, au régional de 2015, aux européennes de 2019, ouais. aux municipales de 2020, ouais. les femmes ont nettement moins voté que les hommes. Mais en 2022, à la présidentielle, ouais. il y avait, je crois, un très très peu d'écart. Ouais. On va voir un extrait du documentaire, ça sera le seul, euh, suite à ce film. C'est Louise Weiss, hein, figure emblématique hein, euh, des femmes euh, qui ont combattu hein, pour obtenir ce fameux droit de vote, qui s'exprime. J'ai été pressentie la première, par Léo Blum, euh, qui avait promis de prendre des femmes ministres dans son gouvernement s'il devenait, en effet, le chef du gouvernement. Alors, euh, il m'a demandé, après la campagne que j'avais faite, si j'étais disposée à entrer dans son cabinet. L'idée me séduisait, mais euh, Léo Blum a ajouté, il est bien entendu qu'il ne sera plus question vote des femmes. j'ai compris qu'il craignait beaucoup ce vote parce qu'il n'y avait pas énormément de Français socialistes. Voilà, tout Léon Blum qu'il était. Hein, avec ses trois sous-secrétaires d'État femmes, c'était la première fois hein, dans l'histoire de, de cette Troisième République. Euh, il craignait le vote des femmes parce que les femmes ne votaient pas socialistes à l'époque. C'était en tout, tout cas ce euh, oui, qu'il pressentait. Et c'est vrai que François Mitterrand s'est fait battre en 65 et en 74, Et après coup, il a dit, bah, il m'a manqué le vote des femmes. Et il a mis ses défaites sur le compte d'un manque de, de vote du côté des femmes en sa faveur. Euh, ça, c'est une réalité aussi. Oui, mais euh, si on veut euh, revenir sur, sur, simplement sur, euh, sur ce qu'avait euh, dit Léon Blum, euh, il faut se souvenir aussi, parce que euh, derrière cette évolution du vote des femmes, je dirais, euh, l'évolution de leur situation dans, sa, dans la société, et ça, c'est très important, mais euh, au moment où Léon Blum parle, euh, eh bien, euh, les femmes sont beaucoup plus que les hommes soumises euh, à l'emprise de l'Église. Elles sont catholiques dans des proportions euh, extrêmement supérieures euh, à celles des hommes. Elles vont plus euh, à la messe, qu'elles euh, respectent euh, voilà, beaucoup plus les, les offices et tout. Donc euh, elles sont plus influencées, et c'est ce que craint euh, Léon Blum, c'est que en fait, euh, à travers le vote des femmes, euh, s'exprime euh, le vote de l'Église catholique. Et ça, euh, on sait bien que ça ne va pas dans son sens. Voilà. Mais après, euh, bien sûr que euh, les effets, euh, bon. Elles vont être moins soumises à la religion, <coughs> euh, elles vont faire des études, elles vont travailler. Et euh, on avait montré, euh, notamment avec euh, Mariette Sino, dans le livre qu'on a fait euh, après euh, enquête qui s'appelait euh, Enquête sur les femmes euh, en politique euh, en France, oui. et la politique en France, eh bien, euh, on a bien vu qu'il y avait un effet travail. C'est-à-dire que quand les femmes travaillaient, et bien, elles avaient des attitudes plus, je dirais, progressistes, en tout cas un peu plus intéressés par la politique et plus progressistes, un peu plus favorables à la gauche que quand elles, ne, elles étaient au foyer. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte si on veut comprendre cette évolution. Euh, on oublie peut-être un petit peu, c'est peut-être été un peu oublié dans ce documentaire, en avril 44, certes, les femmes obtiennent le droit de vote, mais elles obtiennent euh, aussi le droit à l'éligibilité. Exactement. Euh, la représentativité des femmes dans la vie politique euh, a donné lieu à plusieurs lois sur la parité. Euh, la première, c'était euh, il y a 24 ans, maintenant c'est en 2000. Quelle corrélation y a-t-il entre la représentativité des femmes aujourd'hui dans euh, les conseils représentatifs, dans les plus hautes fonctions euh, à la fois locales, nationales, et le vote des femmes Y a-t-il une corrélation entre les deux Non, il n'y a pas de corrélation. Ce qu'il faut souligner, c'est que si la France a été contrainte de voter une loi, et c'était une grande première mondiale, hein, aucun, aucun pays au monde n'avait voté de loi de, de parité, euh, c'est bien parce que les partis politiques ont confisqué euh, si vous voulez euh, le pouvoir à leur profit euh, avec d'ailleurs la mise en place en 58 d'un scrutin dit uninominal majoritaire à deux tours se déroulant dans des circonscriptions étroites et qui donnait Évidemment, une prime aux, aux notables qui tenaient la circonscription. Et dans ce, dans ce contexte, les femmes ont été mises sur la touche, si vous voulez. Et, euh, et donc, je rappelle qu'au bout de 20 ans de 5e République, les femmes n'atteignaient pas 6% des places à l'Assemblée nationale. Ça, ça montre l'étendue du barrage, du tir de barrage que représentait. Euh, L'entrée au Parlement. Et par conséquent, il a, il a fallu passer par une loi contraignante pour que les femmes puissent accéder aux assemblées élues, euh, qui, la loi en, en gros, la, la loi de 2000, euh, Oblige les partis politiques pour toutes les élections à la proportionnelle à présenter 50% de femmes à 2%, à 2 près, sauf pour évidemment le scrutin de liste uninominal où là, euh, il y a des pénalités infligées aux partis qui ne présentent pas 50% de femmes à 2% près. Et c'est grâce, si vous voulez, à ces lois que les femmes ont pu progresser euh, dans les assemblées élues, à commencer par l'Assemblée nationale qui est quand même le cœur battant de la République. Hein. Et euh, pour la première fois, euh, en 2012, les femmes atteignent un quart euh, des députés, un quart des places de députés. Et, et euh, ça s'est poursuivi euh, avec euh, le, notamment l'élection ouais. de Macron, où là, il y a eu lors des législatives de 2012. Près de 39% de femmes élues ouais. et lors, lors des dernières législatives en 2022, il y a eu une légère régression à 37%. Ouais. Et aujourd'hui, euh, dans la législature actuelle, hein, nous, il y a 215 femmes à l'Assemblée nationale, ce qui représente euh, 37,3% euh, des députés euh, siégeant dans, dans cette Assemblée. D'où cette question. Euh, de voir de plus en plus de femmes dans les assemblées élues, est-ce que ça a euh, initié euh, euh, du vote euh, des femmes en faveur des femmes. J'ai envie de dire non, puisqu'on sait très bien que le vote, c'est un comportement électoral qui euh, obéit à toute une série. Il n'y a pas de... de solidarité féminine. Alors, oui et non, de déterminants ah. et déterministes. Moi, j'ai en tête, on, en, on parlait de ces lois pour la parité pour les municipales de mars euh, 2001. Quelques années après, élection présidentielle avec une femme. Socialiste, Ségolène Royal, qui avait quand même joué, je crois que c'était sur votre plateau, sur LCP et Public Sénat, lors des débats euh, de la primaire socialiste. Très bonne en, mémoire. Entre Dominique Strauss-Kahn et Laurent ouais. elle, on, on lui demande C'est quoi la différence entre vous et vos adversaires Et elle dit dans un rire ça se voit, elle a joué la carte femme, ses adversaires ont joué la carte du machisme, je ne vais pas rappeler tout ce qui a été dit, qui va garder les enfants. Quand on regarde les enquêtes IFOP pour le Cvipof, notamment un poste électoral fait auprès de 4000 électeurs, on voit que le score de Ségolène Royal au premier tour est que d'un point supérieur auprès des femmes, sa défaite du second tour, hein, 47-53 chez les femmes, c'est du 48-52, et en fait, il y a eu un double clivage, un clivage de genre très léger, mais surtout un clivage Générationnelle, puisqu'auprès des électeurs de moins de 35-40 ans, Ségolène Royal gagne le second tour. Et à 53 ou 54 c'est chez les personnes âgées, et notamment les femmes âgées, qui choisissent massivement. Quand j'ai dit c'est plus de 65 ans, il hein, n'y a pas de jugement de valeur dans ma bouche, bien sûr, qui choisissent massivement cet électorat âgé-féminin. Nicolas Sarkozy au second tour. Donc non, il n'y a pas d'automaticité de femmes qui voteraient pour des femmes, de la même manière, il n'y a pas d'automaticité de jeunes électeurs qui voteraient automatiquement pour euh, un jeune candidat. Et heureusement, je dirais parce que sinon ça essentialiserait euh, le, le vote des hommes et des femmes et euh, je veux dire on a dépassé euh, cette problématique depuis Simone de Beauvoir et donc il faut effectivement que ce soit euh, médiatisé par les partis politiques, par les programmes puisqu'on vote quand même en Fonction de ça, d'une orientation politique et de programmes déterminés. Alors, dans les stéréotypes que j'ai trouvés en travaillant un peu ce dossier, les femmes voteraient davantage pour des personnalités que pour des programmes. Est-ce que c'est un, un temps soit peu euh, vérifiable Alors, ça, euh, moi, je ne suis pas en mesure de le dire. Mais euh, s'il y a d'autres réponses possibles, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ce que j'ai vu dans les, les tout derniers sondages, euh, vous savez, où on, on demande le, le ponton... de se prononcer par rapport au, ponton... au potentiel électoral des différentes, euh, différents candidats possibles, etc., euh, eh bien, c'est qu'il y a une. Méf... Sur chaque personnalité politique, il y a une méfiance des femmes par rapport à ce que disent les hommes. Les hommes seront plus confiants, que, euh, que ce soit à Macron ou que ce soit à n'importe qui. Hein. L'ensemble, il n'y a pas une personnalité politique qui euh, recueillerait plus de, disons, de, de confiance chez les femmes que chez les hommes. Il y en a toujours moins. Donc les femmes se méfient aussi, euh, je pense, du, de la classe politique, parce qu'elles euh, sont dans un raisonnement, mais peut-être parce que c'est souvent elles qui euh, assurent le, le ravitaillement de la maison, qui gèrent un certain nombre de choses. Elles sont euh, quand même euh, dans le, le raisonnement. Euh, ces gens-là euh, ne font pas tout ce qu'il faut pour nous, euh, et notamment avec tout ce qui se passe pour euh, le pouvoir d'achat, pour euh, la sécurité, etc. Donc, voilà, sur les personnalités par, par rapport au programme, je ne suis pas sûre que... D'ailleurs, est-ce que les hommes lisent les programmes Je n'en sais rien, hein. c'est pas, pas évident. Mais en tout cas, euh, pour que... je ne pense pas que les femmes se précipitent dessus euh, comme ça. Le droit des femmes vous parliez d'éventuellement de, 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 de séparation générationnelle ou autre. Euh, la prise en compte de la défense du droit des femmes, d'une manière générale, euh, est-ce que ça s'est illustré dans, dans le vote des femmes euh, euh, durant euh, ces 20-30 dernières années? Eh bien, hélas, non. Et c'était une grande déconvenue par rapport à nombre de propagandistes du vote des femmes au 19e siècle. Je pense à Hubertine Auclair qui, en 1878, disait Mesdames, l'arme du vote sera l'arme déterminante pour obtenir le euh, droit de nos revendications. Et en réalité, elle s'est beaucoup trompée dans la mesure où, une fois le droit de vote accordé aux femmes et eh bien euh, sous la quatrième comme au début de la cinquième euh, en réalité les femmes ont été une fois de plus les grandes oubliées de l'histoire et euh, l'agenda politique était un agenda qu'on pourrait qualifier d'androcentrique dans la mesure où il négligeait totalement les revendications des femmes et je dirais que il a fallu euh, le bouleversement entraîné par l'élection du président euh, de la république au suffrage universel euh, élection reine de la cinquième, puisque le président est concentre en, entre ses mains l'essentiel du pouvoir politique pour un petit peu casser euh, l'espèce de mainmise des partis politiques sur la vie politique et euh, euh, faire que les féministes euh, euh, utilisent l'arme de l'élection présidentielle comme tribune pour se faire entendre, sachant que les femmes ont pour elles la force du nombre, puisque je rappelle que si on prend les électeurs inscrits en 2021, eh bien, les femmes représentent 52,2% de l'électorat, ce qui, ce qui, en, en, en voix, euh, euh, représente plus de 2 millions de, de, de voix supplémentaires, si vous voulez. Et donc, les, les candidats à l'élection présidentielle ont vite compris que les femmes pouvaient faire la loi en réalité. Et le premier qui l'a compris, c'est François Mitterrand en 1965, qui se résout très vite à euh, mettre dans son programme la régulation des naissances, qui euh, était euh, à l'époque euh, euh, assez révolutionnaire, je dirais. Et ça s'est poursuivi au fil du temps. Euh, en 1974, et il y a eu évidemment, en pleine période des MLF, un certain nombre de revendications qui ont été prises en compte. Et euh, VgA une fois élu, évidemment, a euh, tenu compte du big bang féministe en mettant des femmes à la barre en, et en, vote, en faisant voter un certain nombre de réformes euh, ad, euh, réforme de l'adultère, réforme du divorce par consentement mutuel, légalisation de l'IVG et euh, instauration d'un secrétariat d'État aux droits des femmes. J'ai regardé, l'IFOP avait fait un sondage avant l'élection en 2022, avant l'élection présidentielle. Euh, la défense du droit des femmes, ce n'était pas une priorité euh, des femmes euh, durant cette élection. Ce qui arrive en tête, c'est la santé. Mais oui, j'allais vous dire, c'est un sujet en soi qui, dans l'absolu En santé de la crise Covid. Tout à fait, mobilise les femmes, mobilise aussi des hommes. Hein, sur la question, par exemple, de la, constitution, la constitutionnalisation de l'IVG, l'adhésion des Français a été archi-majoritaire. Quasiment pas de différence femmes-hommes. C'est vrai que, et c'est ce qu'on disait au début de, no de notre échange, il y a cette tendance à l'alignement. Il y a encore 10-15 ans, sur la, par exemple, sur la question des sujets de préoccupation des Français, il y avait une surdétermination sur des femmes sur la sécurité, la santé, l'éducation, les choses se sont beaucoup homogénéisées. Donc c'est vrai qu'il y a ce mouvement-là, mais sur tel ou tel sujet, au moment où il y a des débats forts dans l'opinion publique, il peut y avoir là effectivement un, un tropisme féminin, mais c'est de plus en plus rare. En revanche, il y a un tropisme féminin que je trouve euh, inquiétant. Ce sont les jeunes femmes, les primo-votantes, qui ont très peu voté en 2022, dans, un cas, dans le cadre où les jeunes... Ont massivement déserté les urnes. 41% de primo-votants qui ne sont pas allés voter, ça ne s'était jamais vu. Et chez les femmes, il y a un discours, une, mo une motivation qui est le vote est vain. À quoi, ça, euh, à quoi bon voter Cette vanité du vote, c'est très fort chez les jeunes, mais c'est plus spécifiquement avancé chez les jeunes électrices. Les femmes, leur vote et les extrêmes. Extrême droite, Extrême gauche, vous avez dit un mot tout à l'heure euh, du côté de l'extrême droite. Hein euh, on a les femmes ne votaient pas euh, véritablement, euh, n'adhéraient pas à Jean-Marie Le Pen. Elles adhèrent davantage euh, à Marine Le Pen. Vous avez expliqué pourquoi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de ce vote des femmes et des extrêmes en France Alors, il ne faut pas mélanger les extrêmes, ouais. l'extrême droite ouais. et l'extrême gauche. Ouais. Ça n'est pas la même chose, ouais. même si euh, sûr, les pas... commentateurs euh, essayent de dire que euh, ouais. voilà. Bon. On, est, on essaye d'évacuer les extrêmes euh, ouais. et on reste entre gens bien élevés, bien pensants ouais. euh, du centre et. Donc euh, j'imagine euh, voilà. que pour les femmes, voilà. la motivation pour voter pour l'extrême gauche n'est pas la même que la motivation pour voter pour l'extrême droite, bon, c'est ça que la, la, la motivation pour motter, voter pour l'extrême droite, même si euh, parce que. Moi, je vois, il y, y a quand même des sondages différents, hein, selon, qui montrent... Alors, il y a des fois des différences entre le vote des hommes et des femmes pour euh, l'extrême droite qui sont euh, 2 points, 3 points, mais parfois, dans certains sondages, c'est un peu plus. Donc, il reste quelque chose, il y a des traces de, de tout ça et euh, c'est vrai que, bon, il faut le voir, mais je pense que ce qui, a, euh, ce qui joue, c'est euh, la question de la sécurité qui est importante, euh, la question de l'immigration parce que dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, mais aussi chez des hommes. Hein, euh, alors, les, disons les, les sentiments sont peut-être pas aussi forts dans un sens que dans un autre, mais euh, c'est euh, le lien entre euh, malheureusement euh, immigration et sécurité qui est encore trop, je pense, dans la, la tête d'un certain nombre de personnes et, ça, est et euh, un lien sur lequel hein, ouais, Et sur lequel le... joue ouais. évidemment euh, un certain nombre d'hommes euh, politiques. Mais c'est vrai que, mais et qui peuvent avoir aussi, je dirais souvent, un, un double langage. Parce que je voudrais juste rappeler une anecdote, parce qu'à un moment, euh, moi j'ai travaillé avec Simone Veil, et elle racontait que pour le vote de, de 74, donc la loi qui est devenue euh, euh, la, disons, l'IVG le, le, en 75, euh, elle me disait euh, Vous savez, euh, à l'Assemblée, ces hommes ou, ou au Sénat, ils votent euh, contre moi. Ils votent contre mon projet, contre la loi, mais c'est les mêmes qui viennent de me demander euh, des adresses euh, pour faire aborter leur maîtresse ou leur épouse. Donc, euh, vous voyez, il y a quand même. Il faut tenir compte aussi parfois, pas de, seulement de ce qui est officiel, euh, chiffrable et tout, mais de ce qui se passe derrière. Frédéric Dabi Oui, alors, euh, s'agissant de l'extrême gauche, il n'y a ouais. pas eu de survote féminin. Alors, extrême gauche, je pense par exemple à une candidate présidentielle qui a été. Euh, multicandidate, 5 hein, fois, Arlette Je n'ai vais pas souvenir d'avoir vu un survote ou une mobilisation ah, plus non. forte des femmes. Alors, sur les jeunes femmes, effectivement, il y a eu un, une inclination forte pour le vote Mélenchon. On l'a vu en 2017. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête chez les primo-votants avec plus de soutien chez les femmes et on l'a vu très fortement euh, en 2022. Mais là, la, la chute de popularité très forte que connaît Jean-Luc Mélenchon est aussi forte chez les femmes que chez les hommes. Là, on est encore sur cette logique d'alignement et d'homogénéisation. Marine Le Pen Marine Le Pen, bah, ça a été très très bien dit, c'est vrai qu'elle a joué la carte femme, elle l'a fait au congrès de Lyon en 2011, elle l'a refait lors de son meeting de Reims, je crois, où elle a quasiment, elle a fait une sorte, elle a quitté le pupitre et elle a raconté sa vie de femme, d'élever ses jumeaux, ses deux divorces, euh, etc. Et c'est vrai qu'au second tour, on a vu un vote d'élimination anti-Le Pen plus fort chez les fans, mais sur le... Sur le premier tour, et j'ai envie de dire, quand on regarde les élections européennes, la tête de liste RN n'est pas une femme. Mmh. C'est Jordan Bardella, mmh. il n'y a quasiment pas de différence femme-homme. Ce sera le mot de la fin, malheureusement. On aurait voulu passer davantage de temps avec vous pour parler de ce sujet. Qu'ont fait les femmes de leur droit de vote obtenu en avril 1944 au prix d'une longue lutte Et ça, nous l'avons vu dans le documentaire Citoyenne, qui était un documentaire exclusif pour cette émission des Doc aujourd'hui. Grand merci à vous. Les réactions, ça sera sur hashtag des Doc Merci à Selma Sali et à qui m'ont aidé à préparer cette émission. Prochain rendez-vous avec des Badocs, même place, même heure, et toujours avec son documentaire. Et son débat. À très bientôt.